Pourquoi alors là vous me posez ces questions? La création, où Dieu a formé l'homme à son image et ressemblance, et il a donné une femme pour qu'elle soit sa compagne et qu'il le rende heureux. Dieu est le corps. Où Dieu est le corps. Jésus ayant pris le corps. Incarnation. La théologie du corps de Jean-Paul II, qui a été pour moi vraiment une révélation parce que ça m'a aidé à me réconcilier avec moi-même en fait. C'est d'abord la joie de se donner totalement à fond pour le Christ. Merci Seigneur pour ce corps que tu m'as donné et qui me permet de m'émerveiller devant ma femme. Waouh! Par mon corps, je me donne aux autres et plus particulièrement à mon mari dans le sacrement du mariage. Je pense à la voûte de la chapelle Sixtine, cette main tendue du Père et cette main de l'être humain. Et en tant que nous grands-parents, on prie régulièrement pour la pureté de nos petits-enfants. Oui, Dieu est le corps, ben, il nous habite tout entier et il nous invite aussi à nous donner tout entier aux autres. Je pense que c'est un sujet qui est très présent dans les médias et nous aujourd'hui on est amené à beaucoup être confrontés à ce sujet.